qu'on appelle une sortie culturelle. Tu dégages. Donc ça c'est Léonard de Vinci. Là on peut voir que c'est le moulin, si je ne me trompe pas, c'est ça? Magnifique moulin. Oui, voilà, il est en train de tourner, c'est un moulin à eau. Donc voilà. Alors les filles, vous êtes en train de faire quoi? D'accord, en utilisant quoi? Une balance romaine. Une balance romaine. Ok, vous y arrivez? Vous avez trouvé et compris le système? Oui. Ouais. Sur la machine volante de Léonard de Vinci, à la découverte de la Renaissance, va-t-elle réussir à franchir les 21 portes? Elle a l'air perdue. Faut avancer, Marie-Lou. Appuie là. Faut que t'appuies longtemps là-dessus. Ça me fait penser à Versailles, à cause des jardins. Oui. Là, c'est le temps pour l'accélérateur. Ah, c'est ce qu'il faut lire. Incroyable. Ça, c'est dur en vrai, ce jeu. Je comprends pas. Tout le monde est en train de le zioter. Ah oui, d'accord. Voilà. À droite, mais à droite, à droite, à droite, à droite. Il ne comprend pas trop. Voilà, j'ai failli me prendre le pont. Les élèves sont obligés de tout lui écrire. Mais c'est l'8, c'est pas le 6. Non, mais le 6. Mais oui, c'était là, là c'est derrière, monsieur. Non, oh, je suis perdue. Ah, oh, c'est. Il y a 23 secondes à part de moi. Je veux dire, comment on fait pour faire un peu. Une vidéo projecteur dans une salle qui montre des peintres de Léonard de Vinci, bah, elle est toujours. Voilà, voilà. Pourquoi là, on a des mains, toujours les mains. On a différentes images sur différents murs. Thank you.
Oh, c'est trop stylé. Ça bouge, non? Trace de vous ici. C'est? Vous laissez une trace de vous ici? Oui, c'est ça, je laisse un peu d'aller. Travailler pour des seigneurs pour inventer des armes de guerre. Est-ce que quelqu'un aura une idée de ce que c'est? Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau qui sort. Il y a de l'eau qui sort. Et l'eau, elle vient d'où? La rivière. Elle vient de la rivière. Comment l'eau, elle fait pour monter de la rivière jusque là? Il va s'envoler. Ouais, trop bien. Allez. Mise en forme et utilisée, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça deviendra ce principe? Ouais. Absolument, c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. Ouais. Il y a des... Ah non, on va le faire tourner vite. Oui, mais on peut pas le faire à vite. Les gars, vous êtes capable de tenir la pause pendant très longtemps comme ça? Parce que c'est pas une photo, c'est pas une photo, c'est une vidéo en fait. Hein. Donc du coup, ça risque d'être un peu plus long. Le principe de la vidéo, c'est que ce soit en mouvement, c'est faire. Voilà, ça par exemple, ouais. Donc, petite pause. Déjeuner. Maman et papa, ils ont signé, donc toi si. Ouais, mais j'ai fait une. Ah oui, c'est bête. Hein. Tu as 30 secondes, rien qu'à toi. Fais ce que tu veux. Voilà, avec des chips par terre, magnifique. Merci Maxime. Mmh, c'est bon le saucisson. Mmh, c'est bon le saucisson. Mmh, c'est bon le Lipton. Oui, c'est meilleur en vrai. Achetez du Lipton. Bonjour tout le monde, c'est moi qui filme. Salut. On va faire quoi là, monsieur? Quoi? On va faire quoi là? Un atelier sur les pigments naturels. D'accord. Alors, oh non, petit c'est horrible. Il faut qu'il y ait une tournée. Non, à partir.
Qu'est-ce qui se passe? Wow. Mais que se passe-t-il? Mais t'as fait ça toute ta vie en fait. T'es trop forte. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, vas-y, mets les mains dans le cambouis, n'aie pas peur, ce n'est jamais que du chou. Et pourquoi est-ce que vous êtes en train d'écraser des plantes? Ça sert à quoi? Je sais pas. Pour faire le poudre. Ouais. Et après, pour écraser du liquide dans ça, pour faire sortir du liquide dans ça. D'accord, et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça après? On va faire de la peinture. Je te cache. Et voilà, bah, c'est ça. Mais en fait, ça. Ah non, est-ce que t'as... On n'a pas vu le premier défi? Ça. Une roue qui tombe dans un sens et l'autre qui tombe dans l'autre sens. Tu vois? D'accord. C'est pas si facile que ça. C'est vrai, c'est dans l'autre sens. Je manque un, du coup, tu vois, je vais arriver. On a trouvé la solution. Ah, n'importe quoi. On va demander à Christophe si ça marche. Non, ça marche qu'une fois sur deux, mais. C'est le principe de l'engrenage. Il n'y a pas d'engrenage là d'ailleurs dans votre montage. Il y a une seule roue qui est actionnée par un moteur ou par vous avec la manivelle. C'est ce qu'on appelle la roue motrice. C'est elle qui fait tourner le reste. Et le reste, bah, du coup, on les appelle des roues menées. Qui sont donc entraînées par l'engrenage. Les engrenages qui vont tourner. Et du coup, dès qu'on a plus que deux roues, on va parler d'un train d'engrenage. Encore un train comme des wagons qui sont. Donc là, faut qu'on essaye de faire monter ça, comme ça, là. Ouais. Avec un mécanisme. C'est assez facile, là. Et bravo. Ouais. Donc là, la petite boîte, caisse, là. Là, on a une autre plaque, et là, on a des chaînes. Voilà. Petit atelier d'une heure. Donc voilà. Voyons voir comment Marie-Lou s'en sort. Il est fait pour accompagner les poètes. Le serment de gauche, le roi puissant, en friandise, en chanson et accord, par plusieurs fois maintenu languissant. À stocker des trucs, ouais, mais pas que. On en a parlé il y a pas longtemps. Oui. À déménager à 30e siècle. Par rapport aux dates qui nous ont été avancées tout à l'heure, est-ce que ça colle ou pas, 16e siècle? Léonard de Vinci, est-ce qu'il a vécu au 16e siècle? Oui. Oui. Oui, absolument. Donc potentiellement. Je vais te dire. C'est quoi ces billets là? Voilà. Tiens, 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 ti
vous avez voyagé par mons et par vous. On arrive au bus là. Voilà, c'est la fin de la journée. Au revoir.